L'Oslo, léopard du Pardali, est un chat sauvage tacheté de taille moyenne qui atteint 40 à 50 cm au niveau des épaules et pèse entre 7 et 15,5 kg en moyenne. Il a été décrit pour la première fois par Carl Linnaeus en 1758. Deux sous-espèces sont reconnues. Il est originaire du sud-ouest des États-Unis, du Mexique, de l'Amérique centrale et du sud et des îles antillaises de Trinidad et Margarita. Il préfère les zones proches des sources d'eau avec une couverture végétale dense et une grande disponibilité de proie. Ces chats rapides mangent de petits mammifères, des oiseaux, des poissons et des serpents. Ce sont de très bons nageurs. Autrefois chassé pour sa belle fourrure, le chat est désormais protégé et répertorié comme « préoccupation mineure » par la liste rouge de l'UICN. Le chat est nocturne et aime les forêts et la végétation dense. Il est très territorial et se battra pour garder son territoire. Comme beaucoup de félins, les Oslo mâles marquent leur territoire en pulvérisant de l'urine. Leurs chatons grandissent lentement et restent avec leur mère jusqu'à 2 ans. Ils doivent apprendre à attraper des proies avant de pouvoir être indépendants. Bien qu'il s'agisse d'un « petit chat », il est beaucoup plus gros que les autres. L'Oslo mesure de 68 à 100 cm de longueur, plus 26 à 45 cm de longueur de queue, et pèse généralement de 8 à 18 kg. De plus gros ont été signalés. C'est le plus grand du genre de chat sauvage léopardu généralement délicat. L'Oslo a un corps allongé, avec des pattes courtes munies de larges pieds. La tête est grande, avec des oreilles rondes, des yeux jaunes et un nez rose. La couleur de la robe varie d'ocre jaune à fauve en zone forestière et est plutôt dans des teintes ternes, grisâtres, en zone aride. C'est un bon grimpeur, comme le puma, plus grand, avec lequel il partage la majorité de son aire de répartition. Son odorat est très développé. L'Oslo dort la tête reposant sur ses pattes antérieures étendues, comme un chien. C'est le seul félin à dormir ainsi. L'Oslo peut vivre jusqu'à 10 ans dans la nature ou environ 20 ans en captivité. Il est possible de l'apprivoiser. Après une gestation de 80 jours, la femelle a une portée de 1 à 4 petits. Les petits sont dépendants de leur mère pendant 5 à 6 mois et ne quittent le territoire de celle-ci qu'à l'âge de 2 ans. Leur difficulté à trouver de la nourriture explique peut-être pourquoi les Oslo ne donnent qu'un ou deux petits.
Les jeunes ocelots grandissent moins rapidement que les autres félins. L'ocelot chasse au sol même s'il vit généralement dans les arbres la journée. Il chasse normalement pendant la nuit, mais la chasse peut se poursuivre le matin, surtout s'il pleut ou s'il y a des nuages. L'ocelot est carnivore. Ses proies favorites sont les rongeurs comme les rats, les souris et les agoutis. Mais son régime alimentaire comprend aussi des oiseaux, des serpents, des poissons, des lézards, des chauves-souris, des crabes terrestres ou des animaux plus gros comme les singes, les tortues, les faons, les tatous et les fourmiliers. La phylogénie s'est longtemps basée sur l'étude des fossiles d'un animal afin de préciser l'apparition et l'évolution d'une espèce. La phylogénie moderne s'appuie essentiellement sur les analyses génétiques en raison du nombre peu important de fossiles de félins. Le premier félin est apparu il y a 11 millions d'années. Les félins ont divergé en 8 lignées distinctes. La lignée des ocelots, correspondant au genre Léopardu, est la quatrième par ordre de divergence. Il y a 9 millions d'années, les félins migrent pour la première fois vers le continent américain en passant par la Béringie. Il est au bord de la disparition en Amérique du Nord, en raison principalement de la fragmentation écologique et de la dégradation ou disparition de ses habitats. Sa première cause de mortalité aux États-Unis, où ne subsistent que quelques dizaines d'individus dans le sud-est du Texas, est la mort des suites de collisions avec un véhicule. Depuis les années 1990, des écoducs ont été construits au sud du Texas pour limiter le roadkill, mais les ocelots les utilisent rarement, car le positionnement de ces structures de franchissement routier n'a pas tenu compte des habitats de l'ocelot. Ils sont situés à plus de 100 km d'une population d'ocelots existante. À échelle continentale, son territoire a de plus été sectionné par le canal de Panama, lequel a été élargi pour doubler sa capacité, et au moins trois autres propositions d'axes est-ouest existent : projet de canal du Nicaragua, canal post-Panamax proposé par le gouvernement, et deux propositions privées de voies ferrées reliant les deux côtes.
Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.